Bonjour, bonjour à tous, bon matin, bon vendredi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, bien reposé, je vais bien. On va faire un petit ramassis de la semaine comme on dit, on va parler d'abord des slides, oui j'espère que je prononce bien son nom, ben je vais te tutoyer pour essayer d'aplanir la conversation. Jusqu'à cette semaine où j'ai vu ta vidéo sur Buzz des Stars, ma chérie je ne savais pas que tu étais une artiste ivoirienne, je ne t'ai vue nulle part. C'est vrai, je ne suis pas connectée souvent, tout et tout. La preuve même là, quand je parlais de toi, je pensais que tu faisais du zouglou. On me dit, elle ne fait pas zouglou. J'ai dit, mais elle fait quoi? On dit, non, elle chante comme José, tout et tout. J'ai dit, ah, ok. C'est vrai, elles ont un peu les traits de ressemblance. Maman, je ne savais même pas que tu faisais la musique, que tu étais une artiste ivoirienne. Non, c'est-à-dire que tu étais sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je pensais que tu étais la collègue de Coach Monde Chic. Et moi, je pense que tu es la collègue de Coach Monde. C'est comme ça, moi, je te voyais. Quand je te vois, bon, je voyais que tu donnais des conseils matrimoniaux, c'est ce que je sais. Donc, c'est que tu as laissé ton champ de prédilection et puis tu es devenu coach pour la circonstance. Donc, à qui la faute? Tu es sur les réseaux sociaux, mais tu ne fais pas la promotion de la musique. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je ne t'ai jamais écouté, mais les seules fois où je tombais sur ta vidéo, dans les fils d'actualité, tu étais en train de donner des conseils. Maintenant où tu es parti à Abidjan, tu voulais qu'on te reçoive à la RTI. Bon, ma nièce a déjà expliqué ça. La RTI, c'est du business. C'est comme ici. Si tu n'es pas assez connue, ou bien si tu n'es pas poignante, quand je dis poignante, c'est pas pour te rabaisser dans ta musique, hein, ça c'est clair. Comment on appelle ça? C'est les médias qui te courent après. C'est clair. Donc, eux, c'est du business, ils font. C'est ce que la population consomme là. C'est en fonction de ça. C'est selon la demande là que eux, ils vont avec. Donc, je suis désolée, tout le monde a dit, je pense que le message a été assez clair, surtout j'ai aimé vraiment l'analyse de ma nièce, on va dire comme c'est sa nièce, non c'est pas ça, c'est parce qu'il y avait des choses intéressantes. Dans un moment, je pensais que tu étais la collègue de Coach Monde, je ne savais pas que tu étais une artiste pas en toute. C'est quand j'ai même mis ce commentaire quelque part, que les gens ont dit va sur YouTube, puis je suis allée écouter ta musique, effectivement ta musique est intéressante, ta musique est intéressante, mais malheureusement tu ne fais pas la promotion sur les réseaux sociaux, c'est autre chose dont tu parles, donc bon. Anyway, c'était ça ma part. Maintenant, on va venir sur ce fameux couple qui a fait un peu le buzz cette semaine, où la dame est partie verser du Javel sur les vêtements de son chum, de son copain. Elle est partie, son copain, son mari, whatever, elle a versé, c'est-à-dire elle a mis les trempés, elle a javelisé les vêtements pour parler bien. On a vu vraiment une scène. Bon, c'était un peu flou, tout et tout, mais on voyait le monsieur, la dame aussi supplier. Comme on dit dans mon dialecte, on peut demander pardon comme ça à un homme. Là, là. Les femmes d'aujourd'hui. Mais, ma chérie, donc, il n'avait rien fait, puis tu as mis ses habits là dans Javel, là. Mais, parce que, attends, j'ai. Ton chum là, il n'avait rien fait. Lui, il n'a rien fait. Donc, c'est sur les suppositions. Ou bien, comme toi-même, tu as dit, c'était la jalousie, tout et tout. Parce que s'il a fait quelque chose, si effectivement, tu as eu la preuve qu'il te trompe, quand je dis preuve qu'il te trompe là, même si une autre femme lui a écrit, allô chérie, je t'aime, il est en train de te tromper comme ça. Hein. Ou bien, c'est ça. Parce que tromper là, comme je vous ai dit là, l'infidélité là, c'est un choix. Hein, c'est un choix. Ce n'est pas une erreur, contrairement à ce qu'on croit. Parce que quand tu es en train de faire ça là, tu as toute ta tête, hein, et puis tu sais qu'il y a l'autre qui est à côté, lui qui compte sur toi, bien qui a mis ses sentiments. Donc lui, il n'avait rien fait. Et puis toi, tu as mis ses habits dans du javel. Puis tu as javelisé ses habits. Parce que s'il a fait quelque chose, tout ce pardon, ce papa pardon, et puis on supplie un homme, maman, qui m'a couché, mon Guariani. Non, mais les femmes de Dieu, j'ai dit que tu as mis la honte sur les femmes. On n'a pas dit qu'une femme ne demande pas pardon. Mais une femme va supplier, s'agripper, ça dit que s'accrocher à un homme comme ça, parce que l'homme dit il s'en va. Ça dit que c'est vous, ces femmes-là. Quand on parle des femmes qui souffrent d'une certaine dépendance affective-là, vous êtes cette catégorie de femmes-là. Mais garçon, que moi j'ai vu que tu m'as trompé, oh. Même tes habits là, je peux découper en lambeaux et puis je mets ça dans une barrique de peinture devant la maison ici, tu vas venir trouver ça là. Mais c'est ça qui est clair. Ça dit que Javel que toi tu as fait là, c'est petit. Si moi je suis trop énervé, puis c'est que tu m'as trompé là, je peux mettre, ça dit même tes costumes de combien de milliards que tu as payé là, je peux tout renverser dans peinture. Pas tu m'as trompé, c'est pas, au moins je peux pas faire la violence sur toi.
Donc, où est l'affaire de... On va pleurer, 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 même quand tu as tort, là, quand même, c'est pas comme ça. Mais le monsieur que moi je voyais dans cette vidéo, qui parlait là, ça dit qu'il a la tête des manipulateurs, là, ce monsieur-là. Ça dit qu'il avait fait de telle sorte que la confusion, ça dit de telle sorte à semer même la confusion même en toi. Il avait même semé même le doute en toi à tel point que ça dit que on sentait que ça dit tu n'avais plus d'estime de soi, madame. Il a créé même ce sentiment de culpabilité en toi, comme font bon nombre de manipulateurs. Donc, madame n'a pas vu ça. Tu commences à t'accrocher à lui. Non, papa, papa, tu... J'ai dit que la façon dont tu pleurais dans la vidéo, là, ça, là, j'ai pleuré comme ça le jour que j'avais perdu ma soeur. Ou bien quand j'ai perdu mon père. À part ça, là, une femme va pleurer comme ça parce que l'homme dit s'en va. Wobourou les femmes d'aujourd'hui. A fait de mariage et de nid quand t'en gars. J'ai dit que quand il a fini d'écouter la vidéo, je suis devant le roi, il dit, hé, papa, déjà maintenant même, je vais me coucher, tu vas marcher sur moi. Les femmes pleurent derrière les hommes jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Et des gens sont là, non, le monsieur est bien, il est bien, et puis il est venu filmer une femme pour venir la déposer sur les réseaux sociaux. Il est bien, en quoi est-ce qu'il est bien? Quand on dit il est bien, là, ça, là, ces gens de pleurs, là, ça, c'est entre monsieur et madame dans la maison. C'est pas ça envoyé sur les réseaux sociaux. Mais quand il l'a envoyé sur les réseaux sociaux, là-haut, la femme, là, elle, ses parents vont pas la reconnaître, ses amis vont pas la reconnaître, hein? Ça dit, vous ne pouvez pas imaginer, ça dit, cette honte-là qu'il a mis sur elle, même si c'est flou, même si d'autres même ont dit qu'elle n'était même pas habillée, tout ça, là. Et à ça, on dit que non, il est bien. Il est bien de quoi? Il est bien de quoi? C'est les mêmes pervers narcissiques, là. Moi, la partie que je n'ai pas aimée, toi, cette femme-là, si vraiment tu as eu la preuve que le monsieur t'a trompé, oh, tu as mis ses habits dans Javel, où a fait? Ça chauffe pas. Hein? J'ai dit que ça chauffe pas. C'est ce qu'elle dit. Cherchez les hommes qui vont vous aimer. Ça dit que j'ai dit que dans le foyer, là, une femme, ton mari doit t'aimer très, 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 très fort. Toi, la femme, tu dois aimer l'homme. Et lui, ça doit être très, très, très. Mais toi, tu dois aimer ton mari. Tu aimes ton mari, tu es dans la dignité. C'est qu'il sait que tu l'aimes. Mais vous cherchez les hommes, quand on les voit, votre cœur, là, ça bat dans votre salisse, ça bat dans votre poitrine. Les hommes qui vont couper votre cœur, là, c'est eux que vous cherchez. Maintenant, demain, ils te traitent comme ça. Vraiment, c'était la honte, cette vidéo-là. Ça dit qu'au début, là, quand tu regardes la vidéo, tu as dit, attends, est-ce que c'est de la blague ou bien quoi? C'est du sérieux, là? Oui, c'était du sérieux. On voyait une femme, l'homme partait, elle s'accrochait comme le singe s'accroche de branche en branche. On peut pleurer pour un homme comme ça. On pleure comme ça pour un homme en 2021 là. Hey! C'est pas possible. Elle est là, elle propose l'argent, tout et tout. L'argent de quoi? Si t'as trompé, comme je t'ai dit là, ce que tu as fait, c'est tout à fait normal. Tous mes habits, man. À cause de ça, la maman va pleurer jusqu'à mettre la honte sur les gens. Ça fait honte. Ces gens de pleurs là, ça dit que même si tu es en erreur même là, c'est pas comme ça. Même si tu es en erreur, tu demandes pardon, tu vas pas, s'il veut partir là, tu laisses, il s'en va. Après là, son cœur peut se reposer là-bas. Non, il faut qu'on supplie, il faut qu'on agrippe, il faut qu'on attrape le pied. Vous faites honte les femmes d'aujourd'hui d'en faire des mariages là. Niamey. C'est pas possible. Ça, c'est le genre de femme qu'on dit des femmes insécures. Parce qu'il faut être insécure pour te comporter comme ça. C'est ça. On va dire non, mais elle pleure pour son mari. Quel mari même? Y a quoi? Et puis, on ne peut pas respirer. Et puis, tu as été ridiculisé. Tu as pu imaginer comment tes parents se sont sentis, comment tes soeurs, tes amis se sont sentis de te voir comme ça. Mais il a dit que les femmes même qui ont divorcé et puis qui sont restées dans la dignité, là, elles sont comment? Hein? Elles sont comment? Et puis vous, vous êtes comment? Attends, je vais prendre une gorgée de café. C'est pas possible. C'est pas possible. J'en reviens pas. J'en reviens vraiment pas. J'ai dit que allez-y souvent consulter. Parce que quand on te voit, ça dit que la façon dont tu étais là, on t'a senti dans un état de fragilité. Et l'homme se la pétait dans la vidéo. Il se la pétait. Non, 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 je vais partir. C'est comme ça. S'il a dit va partir, tu le laisses partir. Faut le laisser partir. Cet homme qu'on a vu dans la vidéo, les paroles qu'il faisait sortir même là, on sent que, comme je t'ai dit, que ce monsieur-là même, il te trompait.
Toi-même, tu sais qu'il te trompe. C'est vrai que tu veux pas qu'il parte. Sinon, pour rien comme ça, tu vas prendre ses habits, tu vas mettre dans du javel. Un homme, j'ai dit que les foyers où les femmes demandent pardon toujours, les foyers où les femmes supplient, supplient, plus là, finalement, l'homme va finir par partir. Ou bien, même s'il ne va pas, ça dit que vous restez dans un foyer qu'on appelle les foyers de figuration. Il est là parce que, bon, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ou bien vous avez vécu une situation, mais il a d'autres relations dehors où il se sent bien. Qu'est-ce qui est mieux alors? Mais pour certaines femmes, hein, ces foyers de figuration, là, elles préfèrent ça. Hein? Il y a des femmes qui sont dans des foyers, elles préfèrent rester dans. Elles savent que le monsieur ne l'aime plus. Elles savent que le monsieur n'est plus dans la relation. Tout et tout. Oui, c'est vrai. On peut rester, comme on dit, on trouve toujours une raison à un mariage, quelle que soit la personne. Mais il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'il y ait l'amour, tout et tout. Mais tu ne peux pas être avec une femme et puis tu entretiens une relation dehors, tout et tout. Et puis tu as dit que non, je suis là comme ça. C'est ce qu'on appelle les foyers de figuration. Mais toi que j'ai vu pleurer dans cette vidéo-là, tu es capable d'accepter ça. Foyer où femme demande pardon toujours. Les foyers où c'est la femme toujours qui supplie là. Vers la fin, l'homme va finir par partir. Même s'il n'a pas, ça dit que même s'il n'est pas parti physiquement là, son cœur n'est plus là, comme j'ai dit. Avec ton besoin de supplier de la sorte, c'est ça. Là vient ma question. Si tu avais vraiment trompé, comme tu avais dit, je pensais que tu m'avais trompé, je pensais que, tant, s'il avait vraiment fait, avais-tu besoin de le supplier de cette façon, de te rabaisser de cette façon, de te mettre dans cette position d'aliénation de cette façon? Vous faites pitié à faire des mariages. Cherchez les gens qui vont vous aimer. Cherchez les hommes quand vous êtes avec eux là. J'ai dit que quand l'homme t'aime là, peut-être que même il y a des hommes quand ils t'aiment, à un moment donné, l'erreur même est grave, mais tellement il y a l'amour, il va te pardonner. Tu n'as pas besoin de te rabaisser quand on vient te jeter sur les réseaux sociaux. Et on dit que c'est un bon homme et il s'aime. Oui, aimer là, c'est ça là, vous appelez amour. Elle l'aime, mais lui, il ne l'aime plus. Ce monsieur que moi j'ai vu dans la vidéo là, lui n'est plus, c'est un manipulateur. Il a vu que la femme est en position de fragilité, la femme elle l'aime beaucoup, donc il utilise ça et il se la pète, il se donne de la contenance ce monsieur là. J'ai dit que les femmes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Une femme qui s'accroche de cette façon là, une femme qui se met dans cette position, je dirais même pas de vulnérabilité, je dirais, ça dit que qui se met en miettes comme ça là, ça te prend une thérapie. Allez prendre des thérapies avec des, ça dit que des professionnels pour vous aider. Parce que souvent, c'est ce qu'on explique dans l'éducation. Donnez une haute estime de soi à vos enfants pour que demain, quand ils sont dans des situations, oui, c'est vrai, je suis dans une situation difficile, mais je garde ma dignité. Mais quand déjà, dans ta jeunesse ou bien dans ton enfance, on t'a baïonné, on t'a volé cette enfance-là. Et puis tu tombes avec un homme. Cet homme-là devient le comment on peut ça? Il devient ton Dieu. Il devient, si tu veux, le tout-puissant au Dieu Ramassès. Ça dit que cet homme-là, tu le mets sur cette fille, maman. À telle sorte que demain, quand ça ne va pas, tu t'accroches, tu te dis que, mais s'il me laisse, comment je vais faire? C'est pour ça que nous, on vous dit de donner l'estime de soi à vos enfants. Mettez vos enfants en haut. Dites à vos enfants, tu as de la valeur. Ça dit que prononcez que des belles paroles pour vos filles. Oui, surtout pour les filles. Parce que pour que ce soit rendu comme ça, là, il y a quelque chose qui a manqué quelque part. Ça dit, il n'y a rien qui est dans le néant. Il n'y a rien qui est dans le vent. Vous comprenez? C'est ça. On n'a pas dit que pour la première chicane, oui, attends. On n'a pas dit que pour la première chicane, une femme doit partir, tout et tout. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit que même si tu es dans l'erreur, tout et tout, il y a une façon de faire. Il y a une façon de rester digne. Mais se rabaisser comme ça, on filme. Moi-même, au début, je pensais qu'il y avait un témoin. Quand il disait « man, Joe, man », j'ai dit « mais qu'est-ce qu'il parle à qui ?» Ah, ou bien vous, dans votre couple, là, c'est comme ça. Quand l'autre parle, c'est « man », c'est « boy », écoute. Franchement, les femmes, nous, on est là pour vous donner des conseils. On est là pour vous donner des conseils. Pour que vous estimez, mettez-vous dans votre être même, dans votre dit, ça dit en dedans de vous-même. Parce que voir une femme comme ça, supplier un homme, cet homme-là, on va voir demain, là, elle se coupe là. Si des gens le connaissent, ils ne sont plus ensemble. Ça, c'est clair. C'est clair. J'ai dit que vous voyez où ces femmes qui demandent pardon toujours là. L'homme est là, tu lui demandes pardon toujours.
Si ton mari même t'aime là, si c'est pas infidélité, oui, il t'a pris sur le fait. Je dis bien, il t'a pris sur le fait. Ou bien, oui, souvent, il peut te prendre sur le fait. Les hommes même qui aiment leur femme là, même s'il te prend, il a pris comment un message, comment là, vous allez régler ça à l'interne. Vous comprenez? On vous a dit qu'on n'a pas de problème, les gens n'ont pas de problème dans les foyers. Donc, c'est tous les problèmes où la femme est en train de pleurer dans les maisons. On prend pour venir mettre sur les réseaux sociaux. Et puis, on va dire que non, c'est un bon monsieur. Le monsieur est bien. Il est bien de où? Il n'est pas bien partout. Il est bien où? Les femmes, réveillez-vous. Le temps qui était avant n'est plus le temps aujourd'hui. Pourquoi on s'accroche à un homme comme ça? Hein? Pourquoi ça croit? C'est quoi? C'est le père de tes enfants, il t'a doté, il t'a marié, et tu n'as pas de travail. Il y a quoi? Et puis on s'accrochait juste pour le bangala. C'est pour ça qu'on s'est rabaissé comme ça, à s'accrocher. Papa, papa, on supplie. Aïe, mani, la honte de ça. Moi, tu m'as fait honte dans ta vidéo. Toi, cette femme. Partager va recevoir. Des femmes sans valeur. L'homme, toi, oh, l'homme, vous deux, mais vous êtes des en bas de manioc là-bas. Vous êtes des gens sans valeur. Un homme qui a le culot, qui a le toupet de prendre, ça dit que sa femme avec laquelle il a des chicanes, de venir jeter ça sur les réseaux sociaux. Toi, tu as de la valeur. Et toi, la femme, tu t'accroches. Attends. Et ils sont nombreux comme ça. Il y a un énergumène de la pire espèce qui m'envoie une vidéo d'un monsieur nu, comme quoi, oui, j'ai attrapé ce monsieur, il couche avec ma femme, c'est plus publié. Je dis, va ailleurs avec ça. Tu as frappé à la mauvaise porte. Vous croyez qu'on est sur les réseaux sociaux pour ça? N'importe quoi. Franchement, les femmes, vous avez des problèmes dans vos foyers avec les hommes. Restez dignes. Et permettez même pas que des hommes vous filment comme ça, même si c'est dans le noir ou bien comment, vous filment pour venir vous déposer sur les réseaux sociaux. Parce que les gens peuvent te reconnaître à travers ta voix. Juste de par ta voix, on sait que c'est toi. Et puis ce monsieur-là, lui, il a mis son visage à comment on appelle ça, il s'est affiché. Donc les gens savent qui était cette femme qui pleurait derrière. Donc il est bien comme ça. N'importe quoi. Franchement, moi, tu m'as fait honte dans ta vidéo. J'ai eu honte de la façon dont tu t'es laissé aller. Merde.